4000 le ton, nouvelle grossesse en vue, quatrième bébé qui fait grincer les dents. C'est la question préférée des journalistes et des habitants du Royaume-Uni lorsqu'ils rencontrent le prince William et Kate Middleton, à quand un nouveau bébé? Déjà parents de trois enfants adorables, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, le couple qui a fêté ses 40 ans cette année pourrait accueillir un dernier enfant l'an prochain. Un bébé que l'héritier du roi Charles n'a jamais caché refusé, à la différence de sa femme. En effet, alors que la princesse de Galles adore les enfants et ne se prive pas pour câliner tous les bambins qu'elle trouve sur sa route, son mari semble bien plus réticent et s'amuse à chaque fois à prévenir leurs interlocuteurs qu'il ne faut pas donner de mauvaises idées à sa femme. Style diva place holdé à 1 et à 1, 8 300 px, minimum et 250 px, at media screen end, minimum 8. 990 px, div. À place holdé à 1 et à 1, 8, 620 px, minimum et 350 px, style. Un running gag qui marche à chaque fois, mais qui pourrait bien se terminer bientôt. Puisque selon des experts royaux, le frère du prince Harry aurait accepté de faire un quatrième enfant dans quelques semaines. Une décision qui le rapprocherait de ses grands-parents récemment disparus, la reine Elisabeth II et le prince Philippe qui ont également eu 4 enfants, Charles III. 74 ans, Anne, 72 ans, Andrew, 62 ans et Edward, 58 ans. Style diva place holdé à 1 et à 2, 8 300 px, minimum et 250 px, at media screen end, minimum 8. 990 px, div. À place holdé à 1 et à 2, 8, 620 px, minimum et 350 px, style. Mais qui pourrait faire grincer des dents au sein de la firme. En effet, cela signifierait que 4000 le ton. Nouvelle princesse de Galles et qui a récupéré de nombreux rôles depuis la mort de la reine. Ne pourrait plus faire autant de sorties officielles pour la famille royale. Et principalement durant les premiers mois de la grossesse, comme elle l'avait déjà indiqué. Elle souffre en effet d'hyperémèse gravidique, une maladie qui provoque des vomissements violents. Et d'autres critiques pourraient s'élever contre une quatrième grossesse, selon Chris Shipp, le spécialiste de la royauté britannique sur la chaîne ITV. En effet, selon lui, ce sont les Verts qui seraient très en colère. William fait de plus en plus campagne sur les questions environnementales, a-t-il rappelé. Mais beaucoup de gens rappellent que, dans l'intérêt de la planète, vous ne devriez pas avoir 4 enfants. Je suis sûr que William risquerait de s'exposer aux critiques de cette sorte de lobby vert s'il venait à en avoir un quatrième. Guillemets. Un argument qui s'entend, surtout lorsque l'on sait à quel point cette cause compte pour le couple. Mais, comme le souligne l'expert, rien n'est impossible et notamment en raison de leur âge. C'est tout à fait possible, vous savez, que Kate puisse en avoir un quatrième. Même si, rappelons-le, William et Kate sont dans leur quarantaine, a-t-il conclu. Alors, bébé en 2023, on l'espère de tout cœur.